Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau salon Haute Fidélité Saumur. Ce week-end, c'est Martin Logan, les enceintes américaines. Nous avons plusieurs produits, les ESL, ESLX, ESL9 et ESL13. Avec Maxime Guyot, qui est l'importateur, nous avons aussi l'artiste peintre Armel. C'est vraiment de superbes tableaux, venez les découvrir. Et à 18h, nous aurons une petite dégustation, comme d'habitude. Nous avons aussi en exclusivité, France Marketing nous a envoyé des enceintes Perlison qui sont présentées dans la salle cinéma, mais on va essayer de les brancher en stéréo en fin de journée. Allez, on est parti pour écouter tout ça. Nous sommes dans la salle cadre noir, dans la salle cinéma, où nous avons la chance d'avoir les enceintes Perlison avec la série S7. Donc les grosses colonnes, une grosse centrale, on est vraiment sur des budgets assez élevés, mais vraiment sur des produits très qualitatifs. On est sur 18 000 euros, je crois, de tête, la sainte colonne, 4 aunes, 92 dB de rendement. Et 7 500 € la centrale, pareil, 92 dB de rendement et 4 ohms. On a branché tout cela sur notre Trinov Altitude 16 avec des amplis de puissance Arkham. On va lancer toutes les démos. On va vous faire des petits inserts pour vous faire voir avec les gens. C'était vraiment des instants très sympathiques. C'est parti! Qui va vous faire les aigus, un médium qui va vous faire encore un haut-parleur qui va vous faire les fréquences médium et des haut-parleurs de grave qui vont vous faire le grave. En fait, là, la technologie, c'est toute cette partie-là qui vous fait l'aigu médium. Donc, en fait, plutôt que d'avoir une petite surface avec un grand déboîtement, vous avez une grande surface avec un petit déboîtement. Donc c'est une autre technologie. Donc vous avez un très fort courant, mais peu d'intensité, qui parcourt tout ça, donc on peut mettre les mains, hein, on va passer l'électrocuter. Et par contre, l'inconvénient, c'est que ça ne fait pas de grave. Donc là, c'est pour ça qu'il rajoute un petit caisson, qui peut être actif ou passif, suivant les modèles.